Alors ce prix, celui-là, je l'accepte avec plaisir. D'abord, bravo aux finalistes. Quand même, hein? Bravo aux enfants, surtout, vous êtes vraiment bons d'être assis là, là sans, en étant quand même attentif, là, vous êtes bons. Et puis, merci au jury quand même, hein, parce que c'est les gens qui aiment les livres et qui les connaissent qui ont décerné le prix, donc c'est vraiment un grand honneur pour moi. D'autant que, en tant que Montréalais depuis 15 ans, je suis moi-même usager de la bibliothèque Le Prévost, et même de l'Octogone, parce que j'ai habité à Ville-la-Salle aussi, donc je reconnais madame. M'a conseillé des fois. Et bientôt, de la bibliothèque Marc Favreau, parce que j'habite dans la petite patrie, il va y avoir une nouvelle bibliothèque sur Rosemont, que j'ai très hâte de fréquenter moi-même et d'amener, où j'ai hâte d'amener mes enfants aussi. Donc voilà, je suis très heureux, très content de la vie qu'a ce livre-là, et si ce prix-là peut permettre de mettre les batteries dans le micro, peut-être. si ça peut allonger la durée du livre, puis le faire. Puis de faire lire pour un maximum de jeunes et de moins jeunes, tant mieux. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.